on s'était mis d'accord pour dire que c'était de l'ethno-jazz. Il y a la connotation de la couleur, du goût, le côté acide du citron, peut-être un peu acidulé comme un bonbon aussi, je ne sais pas. Quelque chose de lié aux sensations, à la vie, voilà. Quelque chose qui parle, qui vit, qui se mouvait véritablement, mais qui est à la fois très spirituel dans le contenu, puisqu'on chante, parce qu'on met en musique des paroles, des écrits sacrés en fait. Donc des choses qui sont profondes et qui peuvent potentiellement toucher au très fond de l'âme. On s'est rencontrés, Margaret et moi, ça fait une bonne quinzaine d'années qu'on se connaît. Et Nicolas et moi, on s'est rencontrés une fois à une conférence et j'ai beaucoup aimé comme il jouait. Et à un moment donné, je me suis dit, bien, si on se rencontrait les trois, et la mayonnaise a plu. Enfin, je sais pas, c'est la mayonnaise au citron, probablement. Je joue à percussion. Je joue une batterie avec une main. C'est une batterie qui est à la fois un peu semi-jazz, semi-ethnique. Une maxime à la forêt qui dit la terre est un seul pays et tous les hommes en sont des citoyens. Donc on est assez tourné vers le côté multiculturel et la différence enrichissante des cultures. Et des morceaux qui sont nés d'une mélodie que quelqu'un a apportée et qu'ensuite on a retravaillée. Ou bien des fois, Margaret et Nicolas commencent à jammer ensemble, soit on part sur un rythme, soit une mélodie, et on trouve un texte et hop, on essaie de le mettre avec. Donc je dirais qu'il y a différentes approches, mais c'est vraiment un travail d'équipe. Bon, le résultat, c'est qu'un an et demi plus tard, non seulement ce projet existe toujours, mais en plus, on enregistre un disque. Ce CD, là, il va être composé de 9 morceaux. Avec des compositions très diverses. Il y a du blues, la bossa, il y a des mélanges un petit peu plus orientaux qui sont très sympas. Un voyage coloré et savoureux pour l'âme. Nous éprouvons l'or et par l'or nos serviteurs et par l'or nos serviteurs. Et le temps détaché.